Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Le gouvernement de la transition a affirmé mercredi avoir déjoué une tentative de coup d'état avérée contre le capitaine Ibrahim Traoré. Le parquet militaire de Ouagadougou a révélé que 6 officiers de l'armée burkinabé sont mis en cause pour complot contre la sûreté de l'État. Le gouvernement a indiqué plutôt que des officiers et autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres activement recherchés. Selon le procureur militaire, l'enquête ouverte à cet effet a permis d'interpeller 4, mais 2 autres sont en fuite. Les investigations se déroulent dans le strict respect des droits des personnes mises en cause et de toute autre personne que l'enquête viendrait à révéler, a rassuré le parquet. Toutefois, un regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation, le parquet militaire invite toute personne susceptible de fournir des informations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité à venir témoigner, a insisté le magistrat militaire. Plusieurs manifestants ont envahi le rond-point des Nations Unies mardi, peu après 20h, suite à des rumeurs de tentatives de putsch contre le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai rassuré de ma détermination à conduire la transition à bon port en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres pour stopper notre marche inexorable vers une souveraineté assumée, a promis le capitaine Ibrahim Traoré sur sa page anciennement Twitter. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés et scotchés à la chaîne, partagez avec vos amis, famille et connaissances si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information d'ici à la portée vous bien.